Bonjour, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé la vidéo précédente qui vous expliquait un peu le fonctionnement de la classe MRC. Et donc, dans le fonctionnement de la classe MRC, je vous avais dit, on utilisera LOL. Donc, si je suis sur Google et que je tape LOL Académie de Poitiers, vous voyez, ça s'affiche tout de suite. Donc, je clique sur le premier lien. Et donc, en fait, LOL, c'est l'espace numérique de travail, donc ent.ac-poitiers.fr. Donc vous arrivez sur cette page où on propose agricole, éducation nationale, maritime. Donc vous, c'est éducation nationale. Vous y accéderez par ici. Moi, j'y accède forcément par l'enseignant. Donc vous avez un identifiant et vous avez un mot de passe ou un voilà qu'on va vous communiquer en début d'année. Donc je valide pour accéder à ma page. En début d'année, je vous remettrai aussi. Donc je profite de la vidéo. Une carte d'identité, alors pour les terminales commerce, voilà, elle correspondra à ça. Vous aurez trois QR codes pour arriver jusqu'au blog, pour arriver sur l'image interactive et sur la chaîne YouTube. Et ensuite, je vous conseille fortement de bien remplir ceci avec tous vos identifiants et vos mots de passe. Donc, je vous la laisserai, ça sera la vôtre personnelle. Essayez de ne pas la perdre pour pouvoir se loguer le plus rapidement possible. Donc quand on arrive sur LOL, voilà comment ça se présente, mais peut-être que certains d'entre vous l'auront déjà vu. Donc on a plein de possibilités avec LOL d'avoir un blog, alors on s'en servira certainement, un agenda, un mur collaboratif. Bon, vous ferez un peu le tour. Donc après, c'est vous qui choisissez les outils dont vous voulez vous servir. En l'occurrence, là, on va regarder d'abord ce que c'est qu'un wiki. Donc, si je vais, alors vous voyez, j'en ai fait un sur classe inversée en économie droit. Voilà, si je clique dessus, il n'y a pas de page. Ce sera à vous de faire une nouvelle page. Je vous donne juste la définition d'un wiki. Donc, un wiki, c'est un site web dynamique dont tout visiteur peut modifier les pages à volonté. Il permet donc de communiquer ses idées, c'est ça qui m'intéresse. Donc, que vous nous fassiez part de votre travail sur un sujet d'économie ou de droit. Pour la petite histoire, le nom wiki, ça vient d'un adjectif hawaïen qui s'appelle rapide. Donc voilà, première chose. Donc, mais là, ça peut être, plutôt que de répondre au quiz directement, on peut mettre vos réponses ici en indiquant votre nom. Ensuite, on va regarder un peu, donc mur collaboratif, je pense que vous connaissez. Donc là, c'est pareil, j'en ai créé un aussi, mais on pourra en créer un autre. Donc si vous double-cliquez dessus, ben voilà. Vous écrivez quelque chose, donc je vous donnerai accès à celui-ci. Après, donc, l'autre chose, c'est la carte mentale. Alors, deux possibilités, la carte mentale. Soit vous la faites, donc je vais créer une carte mentale, je lui donne un nom, donc là, je vais écrire économie droit. Voilà, je fais enregistrer, je peux lui mettre une petite image. Si je vais dessus, donc, ça ressemble, voilà, vous avez ça, vous rajoutez des petites choses, voilà, et vous mettez les choses qui vous paraissent intéressantes. Alors, vous pouvez en créer une à partir de là, et vous pouvez en créer une aussi. Donc, c'est pour ça que si vous avez une adresse Gmail, ça sera très bien, parce que l'adresse Gmail, ça vous permet d'accéder au Drive. Et dans le Drive, eh bien, vous pouvez réaliser des cartes mentales. Donc, si je vais dans mon Drive, donc mon Drive, c'est un espace de stockage hein, où je peux mettre quantité de documents. Donc, vous voyez, ça met un petit peu de temps à charger. Toujours les mêmes recommandations que vous entendrez dans mes vidéos. Soyez patient parce qu'au lycée, ça risque d'être encore un petit peu plus long. Donc, si je fais nouveau, voilà, vous avez Mind Map. Et donc, Mind Map, ça va vous permettre, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, need to log before. Alors, on va pas faire ça. Voilà, donc là pour l'instant, il est en train de chercher. C'est un petit peu long et j'en suis navrée. Voilà. Donc, je vais grossir un petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc là, eh ben, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Donc, test carte mentale. Donc c'est comment organiser ses idées par rapport à un thème ou un sujet que je vous aurais donné. Et là c'est pareil, et bien vous rajoutez des choses. Alors je vais vous en montrer un que j'ai fait pour vous donner une petite idée sur voilà. Donc ça ce sont les quiz que vous aurez voilà que je vous ai préparé. Alors si on regarde celui-là.
ouvrir. J'espère que c'est le bon. Vous voyez, c'est toujours la même chose, ça met un tout petit peu de temps. Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, si je parle d'une activité économique, c'est un test aussi, dans les secteurs d'activité, voilà. Voilà comment ça s'organise une carte mentale. C'est que vous partez d'une idée et après, vous faites graviter autour tout ce qui vous paraît important. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, vous faites cher parce que vous me l'envoyez et comme ça, je pourrai vérifier votre travail. Voilà, je vous souhaite bon courage et je pense que vous serez tout à fait capable de créer des choses comme ça.